First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Choking in the crowd, building my rain
up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down, it rained down, like... Flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh ooh, the blood in my veins, oh ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like. Bonsoir à tous. Quelle place difficile, je dois l'avouer. Je m'appelle Diane Leyre, j'ai 24 ans. Je suis diplômée d'un bac plus 4 en commerce international que j'ai obtenu à Madrid et je travaille désormais dans la promotion immobilière. Je n'ai qu'une minute pour me présenter, alors je vais vous la faire simple. Je suis une personne positive, spontanée, souriante. On me dit nature peinture. Je voulais tenter un peu d'humour ce soir, mais lorsque j'ai vu Ahmed Silla et Inès Rec dans le jury, je me suis dit que c'était peut-être pas le moment de tenter ma blague. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous vous joignez à ma table pour manger, ce sera aussi chaleureux que dans le sud ou dans les îles. Alors, vous le savez, ma région est multiculturelle. Et c'est la raison pour laquelle ce soir, si j'ai la chance d'être élue Miss France, j'aimerais soutenir le vivre ensemble. Enfin, j'aimerais rajouter que la plupart des Français passent par ma région à un moment dans leur vie, que ce soit pour le travail ou pour les études. Alors finalement, on est un peu comme une terre d'adoption, non? Donc ce soir, c'est à mon tour de vous demander, pour un an seulement, hein, adoptez-moi.